Et salut à tous les amis, c'est PFRFootFR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite d'une mode vers une légende sur PES 2020 où on va affronter aujourd'hui tout d'abord Crystal Palace, Brighton et City en première ligue. Et on se retrouve en fin de vidéo, les amis. À tout à l'heure. Une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Ça peut être dangereux. C'est au fond. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Lukaku, qui inscrit là son premier but de la saison. C'est parfait, magnifique. Et un bon centre dans la surface. Le soutien derrière lui. Dans l'axe. Ça peut être dangereux. Et c'est un but. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. C'est très bien joué. Quelle passe et quelle finition. Mais la défense est quand même pas glorieuse. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. À une équipe qui est tout simplement inarrêtable en ce moment. Et oui, ils enchaînent les victoires et la confiance est au bout. La tentative! Oh oui, c'est dedans! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Quelle passe! Oh, le petit ballon piqué! Attends, allez jusqu'au bout! Encore une chance! Et ça rentre! Oh, ils ont trouvé le bon rythme là! Quelle efficacité! Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il était attentif sur le premier tir et coup de bol, le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. Roberto Firmino, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Qui est le premier sur ce ballon? Il peut y aller! La frappe!
Et voilà, but! Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Mané qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Bonne réception sur cette longue passe. Il allonge, pourquoi pas. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il cherche la profondeur. Il est à distance de tir. Il récupère le ballon. Attention, la frappe. Et c'est un but. C'est ce qu'on appelle clairement un match à sens unique. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il a filé au nez et à la barbe des défenseurs. Très finement joué. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. L'arbitre siffle, le match est terminé. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement méritée. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Avec grand plaisir, Grégoire. De réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Oh, l'occasion! C'est fait! Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Sept buts, je vérifiais, on est bien à 7 buts dans cette compétition. C'est fort. Hasard. Oh, le bon ballon. Il est passé. Oh, la frappe. Oh, et but. Le but. Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribbles et de vitesse. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Coûte cher ce moment-là du match. Oh, voici Lukaku. C'est une occasion, ça! Quel geste! Et ça fait toute la différence! Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but! Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux.
Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause. C'est bien donné. La frappe, attention! Il était surveillé de près mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo! Toujours passé par les ailes. Le bon ballon. Il cherche à profondeur. Quelle notation, attention! Attention là. Taclé dans la surface. Pénalty. Bien sûr que l'arbitre a raison. Il y avait vraiment faute là. Ils ne sont pas d'accord, mais l'arbitre ne veut rien entendre. C'est une occasion unique de prendre le large. Il faut réussir son geste maintenant. Quelle inspiration! Oh, le tacle! Attention, coup franc dangereux à suivre. Et évidemment, c'est carton jaune. Ah, on dirait qu'il s'est blessé sur cette faute. Il a plusieurs possibilités sur ce coup franc. C'est une nouvelle occasion de but. Oh, quel but! Quel bijou! C'est tout simplement incroyable! Mathieu! Trois buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Oh, c'était parfait, le gardien ne pouvait rien là-dessus. Waouh, c'est une frappe fantastique! Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance! Qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Lanzini entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe.
Et voilà, les amis, c'était PFR Foot FR. J'ai de bonnes notes. J'ai été blessé pendant le match précédent, inflammation musculaire. Mais apparemment, je peux revenir. Voilà, ma blessure n'était pas très très grave. Hein, récupération prévue en décembre, tatati, voilà, je suis titulaire pour le prochain match, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Et bien, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde! On never saw.